Dans cette vidéo, vous allez apprendre à éviter les fautes de base. Au volleyball, il y a deux types de fautes à éviter. Les fautes de jeu et les fautes techniques. Premièrement, les fautes de jeu. Il y a une faute de jeu lorsque la balle est renvoyée dans ou sous le filet, hors des mires et hors des limites du terrain adverse. Veillez donc à ce que le ballon passe au-dessus du filet, même s'il le touche, entre les mires et qu'il retombe dans les limites du terrain adverse. Il y a également faute lorsqu'un joueur fait plus d'une touche de balle à la suite et que son équipe fait plus de 3 touches de balle. Veillez donc à ne jamais faire plus d'une touche de balle et à bien compter le nombre de touches de balle de votre équipe. Notez que lorsque vous faites un contre, cela ne compte pas comme une touche de balle. Enfin, il y a faute de jeu dès lors que le ballon rebondit dans votre partie de terrain. Organisez-vous en équipe pour défendre, contrôler le ballon et retourner par une attaque. Deuxièmement, les fautes techniques. Il y a faute technique lorsque le placement collectif n'est pas respecté. Pour l'éviter, à chaque fois que vous servez, n'oubliez pas d'effectuer un mouvement de rotation. Décalez-vous d'une place dans le sens des aiguilles d'une montre pour adopter vos nouvelles positions sur le terrain. Au service, votre pied ne doit ni toucher la ligne, ni être dans votre partie du terrain, tant que vous n'avez pas frappé la balle. Pour bien servir, votre pied doit être entièrement hors de votre partie de terrain. En attaque ou en défense, vous ne devez pas toucher le filet, et votre pied ne doit jamais pénétrer intégralement dans la partie adverse. Enfin, il y a faute technique lorsque le ballon est porté, c'est-à-dire tenu, ou que le contact avec le ballon est prolongé. Lorsque vous faites une passe, une manchette ou une attaque, votre contact avec le ballon doit être sec et bref. À vous de jouer !